croisez pas grand monde. Et on racontera ça a posteriori, éventuellement on peut rajouter des trucs, mais au final, vous êtes dans une loge, tous les trois, ensemble. Ah ben. Donc vous avez été invités placés, quoi. Oui. Tous les trois, c'est-à-dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire. Silencio. Eris. Et Eris est venu avec. Bien. Un petit garçon. Il est ici. Ok. D'accord, mais vous souvenez, vous êtes venu au moins au palais. Ah, incroyable. Ah, j'étais persuadé que tu jouais un autre personnage. Ah, mais ça va me faciliter la tâche. Ouais, tu verras, c'est la lecture. Ça facilite la tâche. Je pensais. Bah, je pensais que tu jouais le type en blanc. D'accord. Hein? Non, le type en blanc. Ah, carrément le type. Moi, je m'en homme. Malade. Ah, mais j'ai persuadé que tu jouais ça. Non. Alors, comment est-ce que je me suis mis ça en tête? On s'est mis beaucoup de choses en tête. Potentas côté court. Le mercantès fait la révérence, imité par chacun à l'exception du bougre dans l'ordre de la pyramide des forts poilus. Que se passe-t-il ici, le potentès? Le portugais. Monseigneur, je crois reconnaître en vous Armand de Richeval, l'échevin de la Rance d'Emeraude. Vous devez comme moi être fourbu par un si long voyage. J'ai pour ma part remonté le sinople depuis la Rance de Corail pour répondre à l'appel d'un fabuleux trésor. 2 mois de remontée pour trouver ce palais vide. Détrompe-toi, Portulan. Je dormais ce matin dans mon lit. Ne sais-tu pas que ce palais a une façade dans chaque anse? L'inconnu soit loué, non. Mais peu importe, le voyage compte autant si ce n'est plus que sa finalité. Un jeune garçon vient de faire son entrée côté cour, accompagné d'une gentille dame au diadème serti d'une éclatante émeraude. Regarde, mon enfant, ce sont les nouveaux jouets du Optimat Maestro. Je suis certaine que tu seras plus doué qu'eux, ne t'en fais pas. Le potentesse. Madame, à qui avons-nous l'honneur? Anna Vandine, de l'Anse de Ruby, vous vous servez dans le potentesse. Alors que Armand Richeval entreprend Anna Vandine, la drague ostensiblement, l'hypothèse pique sa bourse. Les conversations reprennent, la gente dame avec le potentesse, le portulant, l'apothèque et la mercantesse ensemble, les deux enfants discutent ensemble, et le spadassin et l'hypothèse discutent également ensemble. Ouais, un garçon et une fille. Ils discutent pas. Enfin, ils ont l'air de... Évidemment, vous, public, vous n'y entendez plus rien. Du fond de la scène arrive un laborantès, lui, là, à la mise quelconque, armé d'un carnet et d'un fusain, il va des uns aux autres, et s'arrête devant le bougre solitaire. T'as la ligne bleue. Vas-y. Ah, pardon, C'est pas là. Non, c'était moi. Ouais. Oh, quel drôle de mécanisme! Oh, quel drôle de mécanisme avez-vous là? À quoi sert-il? Rien. Laisse-moi tranquille. Le sieur Éléandre entre. On entend du remue-ménage, un râle d'agonie. Le sieur Éléandre ressort. C'est encore raté. Je ne vois qu'une solution. Me mettre moi-même en danger. Je vais provoquer un duel la plus fine lame des 30. Ce ne sera pas difficile, il est dans vos jours, le maître. Que nenni, Desiderio n'est pas le plus habile bretteur. Don Cristobal est bien meilleur. La nobilation dans ce picaresse, évidemment. Mais n'allez-vous pas à votre propre mort, C'est peut-être cela qu'attend dame Fortune. Tu seras mon témoin, Léon. Va-t'en maintenant provoquer dame Cristobal pour n'importe quel fallacieux prétexte. Léon ressort côté court, le sieur fait quelques passes d'armes avec sa faucheuse avant que Léon ne revienne. Entre côté jardin, Don Cristobal et le spadassin. Don Cristobal et le spadassin. Bonjour, le sieur. On me dit que vous vous ennuyez depuis que notre bon maestro nous a quittés. C'est ça même, Don Cristobal. N'en puis plus, il me faut en découdre avec le plus affûté de ses lames. Eh bien, soit, le sieur. Tu ne seras pas le premier de ta caste que j'enverrai rejoindre la tricoteuse. Messieurs, en garde. J'espère qu'on va crever, le sieur. La description est courte. Les listes s'engagent, tous deux sont fort amis. Au bout de 5 assauts, le sieur, acculé et côté court, est touché. Ah. Le sieur à son adversaire, puis au ciel. Merci d'estocage, Dame Cristobal. Vous prouvez là que vous pourriez remporter votre duel. Entends-tu, Dame Fortune?
J'aurais pu à l'instant périr. Monsieur repart furieusement à l'assaut, donne Cristobal à la salle du terrain et reçoit un coup mortel en conclusion de deux potes, c'est bien rien, et là, oh, bien joué, monsieur. Théâtre. Il y a, vois-tu, mon cher Desiderio, quelques accros dans la toile de l'Optimat Maestro que je rapièce aujourd'hui. Tu vas m'aider à en repriser quelques-uns en remplissant ces feuillets de ta prétentieuse écriture. Je n'aime pas la couture. Je t'accorde que la métaphore n'est pas heureuse, mais elle m'amuse. Viens-en au fait, tu me fatigues. Je n'ai pas dormi depuis hier. Très bien. Tu me disais, hier justement, avoir été invité au Palais des Miroirs Véritables. Je veux savoir comment. Ce n'est point le hasard qui t'y a mené, mais quelque alléchante information. Je veux savoir laquelle. Oh, est-ce tout? Non, je te disais hier encore, savoir que ce n'était pas la première fois que tu participais à un de ces concours de poésie organisés par des optimales sénimes ou déments. Je veux que tu fasses l'effort de te souvenir de l'un d'eux. Reste tout. Non, tant que tu y es, j'aimerais que tu me racontes la mort d'un des 30 invités de Maestro. Je te préviens tout de suite, parce que s'il s'agissait in fine de moi-même, tu ne reverrais jamais le soleil. Ah, mais est-ce tout? Non. En parlant de soleil, justement, et puisque je devine que tu vas t'ennuyer ici, pourquoi ne pas y coucher ce fameux voyage jusqu'au soleil dont tu t'es vanté à l'oreille d'une ménestrelle et dans le récit que tu as envoyé à l'Optimat Maestro? Bon sang, mais enfin, est-ce tout? Ça suffira pour l'instant.